peinture sous-marine, c'est une spécialité. On ne vient pas à la peinture sous-marine comme ça. On fait d'abord, pour ma part, c'est dessus 25 ans de travail en paysage, en peinture terrestre, notamment surtout de l'aquarelle. Et deuxièmement, je me suis mis à la plongée sous-marine depuis que je suis arrivé à l'île de La Réunion, c'est-à-dire il y a 20 ans. Find a way to reach her. Make yourself a fool. Alors comment réunir les deux? Parce que les fonds sont tellement beaux, on a toujours envie quand même de travailler, de les représenter, ces fonds sous-marins qui sont pas, disons, où la main de l'homme n'est pas intervenue, où tout est pur et naturel. Donc j'avais depuis très longtemps envie de les représenter. Il a fallu un détonateur pour ça, c'est la rencontre avec André Laban, qui lui-même est peintre sous-marin, et un ancien de l'équipe Cousteau. À partir de là, j'ai travaillé 2-3 fois avec lui et j'ai mis après 3 ans pour mettre au point ma propre technique. Parce que le but, ce n'était pas de peindre comme André Laban, mais c'est de peindre comme Stéphane Brault, donc d'après mon style. Donc ça m'a pris quand même pas mal d'années pour mettre au point cette technique. Souvent on me demande pourquoi je fais une toile sur la mer et non d'après une photo. Et là je réponds parce que quand même quand on peint sous la mer, on est dans les. D'abord on a réuni deux plaisirs, le plaisir d'être plongeur et le plaisir d'être artiste peintre. Mais toute la vibration de la peinture du tableau qui se dégagera à la suite vient du fait que quand même j'étais dans l'état de plongeur, j'étais dans la houle, j'étais sous la pression. Et ça, c'est un état que le plongeur connaît bien et qui apporte un immense plaisir. Alors sous les mers coralliennes, telles qu'à La Réunion, ou à Maurice, ou aux Bahamas, en Martinique, dans d'autres pays, la beauté des sites est telle, la couleur de l'eau et la transparence et la cristallinité est telle que de toute façon la créativité vient immédiatement. Quand la toile sous-marine est terminée, j'ai qu'une seule envie, c'est lui redonner sa dimension naturelle. Je vais donc aller m'enfermer dans mon atelier pour la travailler sur un grand format.
Ça, c'est la partie la plus délicate parce que il faut réussir cette fondue bleue dès le début de la toile. Et ça ne peut pas s'interrompre. On ne peut pas reprendre demain parce que ça fait le jour même. Il faut donner un rythme et un mouvement. Et les plongeurs s'y retrouvent, ça cautionne déjà la véracité et l'intensité de travail. C'est de la matière que je mets avec de la couleur bien sûr, mais c'est tout le jeu de tous ces glissades, tous ces mouvements qui sont. Je baigne dedans, je nage dedans. J'adore les caresser. Non mais c'est, en même temps c'est un test de voir pour voir si elles sont sèches, tout ça, mais on a envie d'y toucher, on a envie de glisser dessus, même à sec, parce que finalement elles gardent le même mystère de glissade, d'onctuosité quand elles sont sèches. On joue avec des aspérités, ça colle plus ou moins. Et quand on arrive dans le grand bleu, se dégrader. Donc on ne sait pas si ça c'est la suite du sable ou c'est la réverbération du sable. Donc... De près tu as les matières, tu rentres dedans, et de loin c'est vraiment comme dans un aquarium. Ouais, super. C'est un vrai travail de peintre en fait. C'est un vrai travail de peintre. Tu as la composition, tu as la matière, la lumière, les couleurs évidemment. On a la chance avec Stéphane d'allier les deux. Le talent effectivement d'un peintre et la chance que ça soit un excellent plongeur. Donc l'idée c'est de réaliser sur un certain nombre d'années des plongées en fait autour du monde avec des expositions qui vont être jointes à ces plongeurs. Thank you.